Non mais ça, bouteille d'eau, pourquoi? Nous on joue le feu gros, nous on joue le feu gros. Bon, deck profile, Jida, t'as les zombies gros. Deck pimpon, on joue Rescue Ace. On a fait top 16 à Indianapolis. Je devais gagner ma game mais je suis trop nul. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, on voit les cartes ou pas là? Vas-y, 3 airlifters, 2 hydrants. C'est pas un one card combo donc on a décidé d'en jouer 2 avec Lucas. 2 turbulences, 2 preventers. Nous on joue les impulse, impulse package. De base je jouais que 2 impulse et 1 engine mais j'ai décidé de mettre le fire attacker. Et franchement en vrai il est incroyable. Et il est tellement incroyable que j'ai perdu à cause de lui parce que je l'ai decide. Mais sinon il est trop fort. Ensuite je joue les entrap, 3 draws, 3 H, 2 nib. Et voilà. Je joue ensuite les Diable Star, obligatoire. 3 Wanted, 2 Diables, parce que du coup, on a remplacé une Diables par. On a remplacé un Hydran par une Diables, parce que Diables toute seule, elle fait one card combo, alors que Hydran non. Et ensuite, bah, la brique. Qui m'a fait gagner ma game 1 du top 16. Ensuite les cartes rescue, bah, le terrain, 3 emergency, alert, rescue, contain, unstanglish. Et ensuite on va dire les cartes pour remonter, 2 TTT, pas 3, pas 1. Un renfort de l'armée, c'est mon starter. Et ça c'était les deux, franchement c'était peut-être les deux meilleures cartes de mon deck, instant et call by. Call by, j'ai attrapé un tir en top 32. Non, c'était pas en top 32. C'était en... Ouais, première round du jour 2, j'ai attrapé un tir grâce à call by. Et instant de fusion, bah, tu l'as fait en miroir match, t'as invoqué le dragon, t'as gagné. Jouer à 40. Ensuite, l'extra, du coup, on va montrer les targets à super poly, instant de fusion, tout ce que vous voulez. Donc, Mudragon, Millennium et Garura. Avec le puzzle Nino qui fait Dweller. Ensuite, Sunlight Wolf en commune. Commune, il n'y a pas d'autre commune. SP Level, Little Knight, la meilleure carte de tout le format. J'essaye d'en chercher, ça fait 2 jours que j'en cherche dans la salle. Personne n'en a. Personne n'en a, c'est une dinguerie cette carte. Un Anima, un Incuribo, Unicorn, Ita Dark, parce qu'avec juste le niveau 1, on a accès au feu et au Dark. CLN Access pour les OTK et une IP. Je sais même pas si elle m'a servi celle-là. Et en side, du coup, un Magna, 2 Drizzvroom. Ça, c'est théoriquement la meilleure carte de mon side. C'est Spooky. À chaque fois que je la touche pas, je perds au time. Mais sinon, c'est la meilleure carte de mon side. Les 2 Shufflers. Donc, ça, en gros, les 5 cartes-là. C'est pour le match-up tir. Et en fait, on peut rajouter des spooky aussi contre tir si on va. Genre, s'il reste 25 minutes, on peut mettre les spooky aussi. Le plumeau qui fait gagner en miroir avec les 3 super pots. C'est uniquement pour le miroir. Ça peut être contre labyrinthe. Et enfin, les 3 jugements. Et voilà, c'est tout hein, pour la deck profage Dida Tarlé Pimpon. Shout out aux frérots qui sont juste devant moi là. On a fait l'aventure pour venir jusqu'à Indianapolis. Shout out, gros shout out à Lucas quand même. C'est grâce à lui que je joue ce deck là. Parce que sinon j'aurais jamais joué ce deck là. Et puis voilà, hein, toute la team, les Français et voilà quoi.